Les causeries des villageois. La recette. T'as vu, tu veux un cracker? C'est quoi ça? C'est des crackers, ça a l'air bon. C'est des crackers maison. Ah ouais? Ouais. Alors, est-ce qu'on s'empoisonne ou pas? Très très bon. Quel jeu d'acteur, c'est pas comme si on les avait goûtés avant, hein. Bienvenue sur la cabane autonome. Bonjour, depuis le temps. Ça fait longtemps, Martine. Hein. Mais putain, ça faisait un moment hein, quand même. Hein, on s'était pas vu. Hein. Exactement. Bon, moi, je suis très contente en tout cas. Ah, voilà. Bah, ils t'ont demandé. C'est vrai? Oui, bon, t'as été demandé. Vous êtes des amours. Exactement. Bon, alors, aujourd'hui, attention. Instant important. Instant important parce que ça fait quand même un an qu'on ne s'est pas vu pratiquement. Ah ouais. Et en un an, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc là, on a quelque chose qu'on va faire, une petite recette cuisine pour un moment privilégié. Un moment convivial. Un moment convivial, un moment de partage. L'apéro. Tu vas tuer la Martine. Attention, l'apéro c'est... On n'y touche pas. On n'y touche pas. L'apéro, on n'y touche pas. Hein. Bon. Donc voilà. Alors, on va faire des crackers maison. Voilà. C'est bon ça. Alors, pour cet apéro, on va préparer des petits crackers pour les copains, pour la famille, même pour qui vous voulez. Alors, il nous faut, c'est simple, 50 g de graines mélangées. Alors, ces graines mélangées, moi, je les prends en magasin bio, hein, il n'y a pas de souci, voilà. Il y a du lin, un peu partout, le choix des graines. Le mélange, il est tout fait. Moi, c'est des sachets que je prends tout mélangé. D'accord. Avec ça, il nous faut 100 g de farine de pois chiche. Ouais. Et non pas de hachis, hein. C'était sympa, ça aurait pas donné exactement la même recette. Les gâteaux, après, ils n'ont pas le même effet. Ben, c'est-à-dire voilà, qu'après, voilà, on n'arrive pas au Dijon, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 100 g de farine de pois chiche, un peu de sel. Ouais. Voilà. Ben là, c'est au goût ou il y a un grammage? Alors, le sel, la dernière fois que j'en ai fait, j'ai oublié le sel, mais bon, disons que le sel, ça va ajouter un petit quelque chose. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein, bah, de toute manière, si on oublie le sel, on peut s'en servir comme des tortillas. Non, mais même si vous... Voilà, si vous oubliez le sel, de toute façon, ça n'a pas une incidence majeure sur la... Ça va être un peu moins salé. La recette. Voilà. Voilà. Donc, on a nos graines, nos 50 g de graines mélangées. Là-dessus, on met notre farine. Dans les graines. Hop là. Voilà. Il nous faut de l'huile neutre. Alors, moi, je prends de l'huile de pépins de raisin. Voilà. Donc, ça, il nous en faut 3 cuillères à soupe. D'accord. 3 cuillères à soupe. Donc, et là, tu... On mélange. Tout simple, quoi. Il n'y a pas bon, de... Alors là, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête. D'accord. C'est vraiment une recette pas prise de tête. Hein. Et on peut même faire participer les enfants à la création de notre absolument futur apéro. Absolument. D'accord, ok. Bon. Après, à l'apéro lui-même, non, mais à la création, oui. Hein, ah ben, ça les occupe. Ça fait l'atelier du mercredi. C'est ça. Et on a 4 cuillères à soupe d'eau. En pichet. Oui, ce que vous voulez. Voilà, le pichet, c'est plus pratique. 2, 3 et 4. Voilà. Alors après, on y va avec les petites menottes. On n'a pas peur de se salir les mains. Et c'est pour ça, bien sûr. Pendant ce temps-là, par contre, qu'est-ce qu'on a fait de ton mari et de Eric? Ils sont barrés. Oh, on les a fait sortir. Enfin, on a demandé aux chiens de nous les sortir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, voilà la pâte, le petit... Ouais, c'est vraiment simpliste. C'est assez collant quand même, hein, parce que bon, c'est normal. Mais c'est hyper simpliste, quoi. Donc, on a notre pâte qui se fait. C'est vraiment simpliste, alors, quoi. Comme d'habitude... J'ai oublié le sel. Donc, tu vas avoir besoin de moi là ou ça va? Parce que là j'ai la caméra, j'ai oublié le trépied. Écoute, regarde, on va faire avec. Hein. Et il nous faut un peu de sel. Hein, parce que, bon, la dernière fois j'ai oublié d'en mettre, mais je vous avoue franchement, ça n'a pas trop changé la donne. Hein. Et si pour vous ça manque de sel, vous êtes toujours à temps, comme je disais, de vous en servir avec un guacamole ou quelque chose comme ça. Voilà, exactement. C'est jamais perdu. Ou ce que vous voulez.
C'est jamais perdu. Voilà. Donc, allez, on malaxe tout ça à la même. Voilà, on mélange bien. Bon, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Ah, c'est une préparation rapide. Ah, c'est hyper rapide. Bon, alors, voilà. Donc, on essaye de s'en sortir comme on peut, hein, avec les moyens du bord. On rajoute de la farine ou il faut que ce soit absolument collant ? Non, on rajoute, non, pas, non. Besoin, pas besoin, hein, on ne rajoute pas de farine. Donc là, je vais me laver les mains et je vous retrouve dans 30 secondes. Alors, les mains propres ? Voilà, les mains sont propres. Désinfectées ? Ouais. Bon, on s'en fout. On s'en fout un peu. Hein, on s'en fout, ça va cuire. Au point où on en est. Hein. Donc voilà, donc dans cette pâte-là, après, elle est déjà donc avec des graines, mais vous pouvez la parfumer. Alors, si vous choisissez de la parfumer avec des épices, moi je vous conseille de mettre les épices en même temps que votre pâte, comme ça, pour, voilà. Dans la pâte, voilà. Hein. Hop, par exemple, moi je mets du cumin parce que j'adore ça. Voilà, donc on va un petit peu malaxer. Et on remalaxe. On remalaxe, voilà. Hop, que ça prenne le goût du cumin. Après, donc c'est en facultatif, du coup, le cumin. Alors, moi, le cumin, c'est parce que j'aime ça. Ouais, hein, sinon, voilà. T'es pas obligé. Mais sinon, vous pouvez... Comme quoique paprika, tout ça, ça peut être sympa aussi, ouais. Alors, paprika, origan, voilà. Ah oui, après, avec les herbes du jardin, alors, oui, effectivement. Tout ce qui est herbes du jardin, il faut le mettre une fois que la pâte est étalée. Hein, on va le faire, là. D'accord. De toute façon, vous allez voir. D'accord, ben je vais peut-être un peu trop vite du coup. Parce que du coup, je découvre la recette moi aussi. Oh, c'est moi le chef. Hein. Oui, c'est toi le chef, excusez-moi Martine. Voilà. Dame tartine en plus. Parce que si je dis Martine, ils vont plus rien comprendre. S'il vous plaît. Voilà. Du coup, c'est resté Dame tartine, mais à la base, c'est moi qui t'appelle comme ça. C'est ça. Ah. Donc là, on prend une feuille de papier cuisson. Alors moi, j'ai un truc, je la mets dans l'autre sens. Mais je sais pas si ça a un effet. Tu vois ? Non, mais comme ça, c'est vite qu'elle se retourne, tu vois ? Ouais. Et ouais, regarde. Ouais. Et là, c'est vrai, allez, j'admets. Pour une fois, tu as raison. Pour une fois, t'es sympa, Martine. Bon, alors maintenant, on va mettre... toute la pâte. Notre pâte, si elle veut... Mais c'est qu'elle m'aime. Ah. Elle ne veut pas me lâcher. Voilà, merci. Donc, on met la pâte. Alors, c'est vrai que c'est un peu collant. Bon, il faut aimer... Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on peut laisser faire les enfants. Si vous aimez pas les enfants, il y en a certains qui aiment bien. Oui. Vous faites croire que c'est un château de sable. C'est vrai. Enfin, un château, un truc. Mais c'est vrai que la pâte, elle est... elle est bien collante, toi. Collante, hein, on va dire. Hein. Voilà. C'est le seul petit que si vous aimez pas, voilà. Ouais, mais en même temps, vu le temps de préparation et tout, pour le rapport qualité-prix, je pense qu'on est pas mal aussi, là. Voilà. Donc, je vais aller encore me rincer mes mains. Parce que mais là, pourquoi ? Mais parce que sinon, je peux pas. Voilà, je peux pas. Donc, je vais me rincer les mains. À tout de suite. Voilà, une fois que vous avez étalé votre pâte sur votre feuille cuisson, vous allez en remettre une par-dessus. Voilà, comme ça. Parce que ça colle justement. Et oui, parce que là, on va se servir de cette feuille pour éviter de mettre de fariner le rouleau à pâtisser. Et là, on va étaler. Alors, on va étaler la pâte de façon à obtenir une galette assez fine, quoi. Vous vérifiez. En fait, vous voyez à peu près. Vous voyez la finesse de la pâte. Voilà. Alors, une fois que c'est comme ça, hop, on va retirer le papier cuisson qu'il y a dessus. Et ça se décolle bien. Ah. Par contre, du coup, il y a des trucs qu'on peut réutiliser aussi, hein, si on fait plusieurs fois. Ah, mais le papier cuisson de dessous, je le réutilise, voilà. Celui-ci. Bon, celui de dessus, c'est pas possible. Parce hein, qu'il est déjà... Mais celui-là, il va passer... Mais celui-là, une fois que la galette sera cuite, elle s'enlèvera facilement et vous pouvez réutiliser votre papier. Ne serait-ce que pour aplatir. Oui, voilà, pour réaplatir, voilà. Si vous en faites plusieurs, voilà. Donc, à partir de là, ben, vous pouvez, si vous voulez, sur une partie de la galette ou sur la totalité... Rajouter, ben comme là, j'ai une
une amie qui m'a ramené des herbes de Corse. Corse. Bon, pauvre. Je vais en mettre un peu trop, peut-être. Voilà. Alors, sur une partie, vous pouvez faire comme ça, mettre ça. Et puis, sur l'autre partie, ben, vous pouvez ou la laisser nature ou mettre, je ne sais quelle autre herbe. Et voilà. Hein? D'accord. Donc, on va faire comme ça. C'est, en fait, on peut vraiment... Là, tu as une recette de base qu'on peut ensuite améliorer. Après, améliorer, voilà, en fonction de vos goûts, en fait. D'accord, hein? C'est génial. Que vous aimez. Voilà. Donc, une fois... fait, vous la mettez sur une plaque à four, hop. Ah ouais, tranquillou quoi. Voilà. Ah bah. Du coup, on la met sur la plaque. Sur la plaque, et à partir de là, on a 45 minutes à 150 degrés au four. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors là, je vais faire une petite aparté concernant le four. Parce que quand même, vous me direz pour faire... Ouais, des crackers. Voilà, juste des crackers comme ça, 45 minutes au four, voilà. Pour les gens qui sont en autonomie, vous pouvez optimiser votre four. C'est-à-dire que vous pouvez faire cuire une ou deux plaques de crackers maison, mais en même temps, à 150 degrés, vous pouvez faire cuire un gâteau au yaourt, des meringues, des gratins de légumes. Vous pouvez faire tartiflette Oui, je ne sais pas la tartiflette, non. Parce qu'il faut quand même que ça gratine un peu, après, ouais. Voilà. Mais vous pouvez faire cuire des meringues, des macarons, voilà. Pensez surtout à optimiser votre four, à faire des gratins avec, ou à faire d'autres plaques comme ça. Voilà, jamais faire qu'une chose. Voilà, moi, ou une fougasse, par exemple. Une fougasse, voilà, vous pouvez... Donc, est-ce que vous voulez que Martine nous montre sa recette de fougasse dans une prochaine vidéo? Si, moi, j'aime bien parce qu'à chaque fois, on goûte. Si vous dites non, il n'y a pas de souci, je montrerai. Voilà. Donc, pour l'instant... D'ailleurs, mettez un petit pouce pour Martine qui, franchement, elle fait des vidéos avec nous, elle est plutôt cool. Alors, mettez un petit like, un gros like. Oui, le pouce, c'est ça. Hein. Ouais, c'est voilà. Pas ça, hein, mais c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Bon, et puis maintenant, donc, on va l'enfourner. 45 minutes. Voilà, 50. À 150. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Ah non, montre-leur le résultat, la triche. Non, mais voilà, quoi, tu me coupes tout mon effet. Excusez-moi, hein. je suis désolée. Moi, je voulais juste vous dire que ben, la cuisine, c'est de la magie. Ça, on le dit. Et toi, t'es une grande magicienne. Moi, j'ai ma baguette magique. Bon, on a pris l'apéro avant, hein, la vidéo. Ma baguette magique. Donc, ma baguette magique, eh ben, qu'est-ce qui va arriver? Avec une petite formule magique, eh ben, mes crackers qui ne sont pas cuits vont être cuits. On se retrouve des crackers cuits. Donc, abracadabra, les crackers que voilà seront cuits. Voilà. Oh. Vous avez vu? Oh non. Si. Mais tu es une cuisine magicienne. Oui. C'est moi. Voilà, alors une fois que vos crackers sont cuits, bah, vous les laissez refroidir. Et puis après, bah, vous laissez tout ça. Pof. 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 Quoi? Il y a une main qui se tend vers toi, Dame Tartine. Tiens. Merci beaucoup. Voilà, alors, ça, vous les coupez comme ça. C'est très et bon. Puis, en fait, ça se conserve. Alors, moi, je les conserve soit dans une poche en papier. Alors, la poche. Pour les gens, parce que là, la poche, alors, c'est un terme du sud-ouest. Ah oui, c'est vrai que la chocolatine, nous, on la met dans la poche. Hein. Ouais. Mais c'est vrai. Tu me détestes, voilà. Aujourd'hui. Mais donc, dans un sachet, dans un sac, c'est ça, le mot barbare. Ouais, le mot barbare. Donc, ouais. Dans un sachet en papier, vous pouvez la conserver aussi facilement dans une boîte. Et en ferraille de lacre, là. Voilà, métallique, de biscuits, de gâteaux. Et de lacre, les panettones, les trucs comme ça qu'il faut à Noël. Ouais. Ou alors dans un récipient en verre. Alors, ça se conserve moins longtemps, bien sûr, dans le verre. Mais voilà, ça se conserve facilement en 3 semaines. Quoi. Oh, ben ça va, il y a de quoi faire des apéros, quoi. Donc voilà, vous pouvez faire des apéros, vous pouvez faire des dips avec différentes sauces, ce que vous voulez. Ou nature, voilà. Nickel. Donc voilà, c'était notre petite recette du jour. Post-apéro. Et puis on leur dit à bientôt j'espère à bientôt. Ça s'est pas trop vu que c'était post-apéro. Parce que... Non, ça se voit pas trop, Martine. Ouais, bon, dites en commentaire si ça se voit ou pas. Bon, ben les amis. Bon, au
on dit tous merci à Martine. Merci et puis, beaucoup moi, Martine. Je voulais quand même vous souhaiter ah, oui. Tous mes vœux. Ah, bah, bah. Voilà. Les vœux officiels. Que tous les vœux, tous mes vœux et puis que tous vos rêves d'autonomiste se réalisent. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. À bientôt sur la cave à Notre-Dame. Ciao, ciao. Merci Martine.